Salut l'équipe et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit escape game 50 rooms. Voilà, c'est un escape de Barney Drexel. Donc je pense qu'il peut être chouette. A chaque fois je dis ça, je pense qu'il peut être chouette. Non mais en tout cas si c'est sur ma chaîne YouTube c'est que j'ai kiffé, sinon c'est que j'ai pas kiffé. Alors le code c'est 8406 47 75 24 19. Je pense. Ah, difficulté facile. J'allais dire, je pense que je vais péter un câble. Mais difficulté facile. J'espère. J'ai pas envie de me prendre la tête. On est le week-end là, c'est tranquille là. On est confiné malheureusement. Mais voilà quoi. Au moins c'est le week-end. Allez les gars. Si vous voulez liker la vidéo, les gars, il n'y a pas de problème. Allez-y, faites-le. Si vous voulez commenter, partager, il n'y a pas de problème aussi. Allez, on est parti. On prend la porte. Nope. Sorry. Sorry. T'as dit que c'était facile, hein? Non, parce que dans facile, il y a le mot facile, quoi. Nice! Trouve le bouton. Oh! À l'ancienne, les gars! Trouve le bouton! J'adore! Clodo! Je vais jouer avec la manette parce que j'ai peur qu'on entend trop les touches après sur la vidéo. Il n'est pas dans la bouche du poisson. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, mais il est là. Oh, il est là. Ok, 4. Par contre, après, j'ai vu que là, il y a du bois. Ah bah attends. Ici. Et après... Oh. Tranquille, quoi. 5. Et il y a combien de rooms? Oh, il y en a beaucoup. Ça va encore me faire une vidéo qui va durer 50 ans. Après... Encore un fantôme, c'est vrai que j'aime bien aussi les histoires de fantômes. Alors, orange, vert, bleu. Est-ce que je peux sauter de torche en torche pour aller là? Ah, et si on fait ça comme ça? C'est un test, hein. J'ai pas été voir là. 6. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de piège mortel, parce que ça, c'est chiant. J'ai toujours dit un escape, il faut qu'on meure le moins possible, voire qu'on meure pas en fait. Bon, après, tu peux mourir, allez, mais une fois quoi. Bon, ben j'ai tout ouvert, mais. Ah! Peut-être ici il y a une trappe. Ah, mais là, il y a une porte, je suis con! Putain! Je vous jure, je suis con!
J'ai l'habitude de faire des trucs 200 IQ là, j'aurais dû faire. Oh putain, c'était quoi? Orange? Vert, bleu? Allez, on n'est pas des génies, nous. À la faille, elle sort pas trop. 9! Peut-être il y a un pins. Ah putain! Les petits détails, les gars, ça fait toute la différence. Ok, d'accord, merci. Disable green. Ok, j'ai désactivé le vert. Ensuite, il faut que je désactive le bleu. Ou le orange. Ok. Donc maintenant, le orange. C'est génial, j'adore. Et on passe au 11, les gars. J'adore. C'était quoi déjà la technique, les gars, pour le bunny? Ah bah comme ça. 1. Quoi 1? Ah non, 12. Ouais, j'ai flippé. Cette moulaga là. Un labyrinthe, frère. 13. S'il y a des boutons là-dedans. S'il y a des boutons là-dedans. Ouais, si je fais ça, je vais faire réapparaître direct. Oh, petite répu, les gars. Petite répu, pourquoi faire? Trouver. Allez! Oh my god. 14. Quoi? Start here. T'es sérieux là? Où est-ce? Ah, parce que s'il faut suivre le vert. Ok, c'était facile en fait. Je me suis pris la tête pour rien. J'ai cru que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Oh là, il y a beaucoup de détails. Trop de détails. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je sais qu'il y a des armoires qui se retournent. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une armoire qui va se retourner? Possible. En fait, moi je pense qu'il y a une porte qui doit se retourner. Parce que regardez, il y a l'air d'avoir un creux. Ici déjà, il y a l'air d'avoir un creux. Ah, mais en fait, c'est là. Putain.
Il y a des répulses là-haut, mais je fais comment pour aller les chercher? Ici, il y a une porte là-haut. Je sais pas, peut-être une répulse à trouver encore, un truc comme ça. Pour aller. Ah ben. Un truc de vitesse. Avec de la glace au pied. Avec de la glace au pied et aller sur le truc de vitesse et sauter. Ah ouais. Trop fort. Yes! Par contre, ici, on peut pas y aller. Allez, la glace. Dégage. Oh! Il y a un truc là-haut, là. Ok. Oh là là. Et franchement, heureusement que j'évite de faire des escapes. Surtout des trucs room, là. Oh putain, par contre, si je tombe là, je serai dans le mal. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé, ça fait peur parce que tu peux repartir à zéro. Ok, yes. Putain, je suis trop fort. 18. Sous les escaliers.
Ah putain. Oh là là. Trop fort. Par contre, c'est long, putain. Ah ouais, j'ai toujours dit 50 levels, c'est long. Ou même 100, c'est long. Mais après, c'est voilà, il faut tracer, il faut aller vite. Il faut trouver les solutions. Les solutions le plus vite possible, quoi. Genre. Tu dois passer, allez, moins de 20 secondes par salle. Ce qui est impossible. Je sais pas. On va descendre? Je peux pas descendre. Ah, peut-être. Là, on peut tomber dans le trou. Une répu. Putain, je fais quoi avec la répu? Là-haut. Mais il n'y en a pas 50 en fait. 5 you pour avoir joué, 5 you pour. Mais il n'y en a pas 50. C'était un 50 level, les gars. C'était un 50 level. Mais il n'y en a pas 50. C'est peut-être pas fini. Ouais, si là c'est clairement fini. Je peux pas revenir en arrière en plus. Ok, c'était vachement cool les gars, j'ai vraiment bien aimé la vidéo qui sera sur ma chaîne YouTube les gars. N'hésitez pas à liker, commenter, partager s'il vous plaît. Et j'essaie de faire au maximum pour faire une vidéo chaque jour et un live. Les gars, je compte sur vous pour passer les 2000 abonnés. Et n'hésitez pas à me suivre sur Snap, Instagram, même TikTok. C'est Steph sur YouTuber. Steph sur YouTuber. Mon TikTok les gars. Sur ce les gars. Je vous dis à la prochaine escape, à la prochaine vidéo, prochaine escape game. Peace les gars.